Ceci fera l'affaire. Allons-y. Allons au Wasp's Nest. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez boire, Milord? Buvez quelque chose? Je n'ai rien à lui demander. Une vieille pince. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Je vois un bijou. Il est tombé entre les lattes du parquet.
inscription en hébreu. Vu la taille de la chaîne, ce bijou doit appartenir à un enfant. Hé, plat dedans. Pareil que vous cherchez un gazier. T'es vraiment gazier, toi? Tu serais pas de la flicaille? Ben, si vous avez pas confiance, je peux m'en aller, hein? On m'a payé d'avance, alors... Reste là. Qui t'a payé? Un docteur Marston, je crois bien. Il m'a dit que vous parleriez d'un étranger appelé Tumblety, si je vous rendais service. Ah ouais? C'est bien possible. Et qu'est-ce que je dois faire, déjà? Bon, écoute-moi. En bas de Whitechapel, tu trouveras une bicoque abandonnée. Juste en face de la pension d'un nommé Finlay. À l'étage, dans le foutoir où se trouvent les tuyaux de gaz, tu verras une sacoche avec du lourd à l'intérieur. Interdit de regarder dedans, sinon je te fais un sort. Tu vas me la chercher, tu me la ramènes, et tu parles de ça à personne. Pigé? J'ai saisi. Et vous me direz alors ce que vous savez sur Tumblety, hein, que je transmette au docteur. Un docteur, ça connaît du monde, et si t'es ici, c'est qu'il est prêt à se bouger pour son Américain. Moi, je sais pas trop grand-chose, mais tu vas lui dire qu'il doit se débrouiller pour parler à un certain Squibby. Lui, il en sait pas mal sur ce sujet. Quand tu seras de retour avec la sacoche, je te dirai ce qu'il doit dire à Squibby pour qu'il lui balance la merloque. Et crois-moi, mon gars, c'est aussi explosif que le gaz dans 10 000 de tes satanés tuyaux. Bon, ben, je m'en vais. Allez, de l'air. Je pourrais m'arranger pour que la police descende ici et attrape ce bandit. Mais il a l'air coriace et se montrerait peut-être moins coopératif que si je joue son jeu. Il vaut mieux que je me charge de ça moi-même, y compris rencontrer le mystérieux Squibby. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je suis désolé, monsieur, je vais fermer. Je suis ici car j'ai trouvé ceci. Par la barbe d'Abraham, le fils d'un de mes voisins. Il a été rossé dans la rue il y a quelques semaines et il s'est fait voler ce bijou. Si vous voulez bien me le confier, je vous promets de le lui rendre et de vous obtenir une récompense. L'argent ne m'intéresse pas. Qui êtes-vous, monsieur? Et qu'attendez-vous de moi? Je suis un ami du docteur Watson. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Alors soyez le bienvenu. Le docteur Watson est un grand homme et je me ferai un plaisir d'aider un de ses amis. Je vous quitte maintenant. Mes amitiés au docteur Watson? C'est la maison abandonnée que Bluto m'a indiquée. Il a dû y installer sa planque. Je sens une drôle d'odeur émanant de cette vieille bâtisse. De l'eau. Bonsoir, Finlay. Bonsoir, monsieur. Nous nous connaissons? C'est moi, Sherlock Holmes. Mais je tiens à ce qu'on ne sache pas que je suis ici. Saurez-vous rester discret? Pour sûr, monsieur Holmes. Je serai muet comme une tombe. Votre locataire, le docteur Tumblety, est-il ici? Je ne pense pas, mais allez savoir. Il paraît que vous avez des problèmes de gaz. Ne m'en parlez pas. Le problème vient de la maison abandonnée, pas loin de là. Mais personne n'est venu s'en occuper. Peut-être puis-je aller voir. Avez-vous une échelle? Non. Mais je crois que dans le tas de bois sous l'escalier, il y en a une en morceaux. Si vous avez aussi besoin de quelque chose dans ce tas de ferraille, des vieux outils ou je ne sais quoi, sentez-vous libre de le prendre, monsieur Holmes. Mais laissez-moi la vaisselle en bon état. Merci et au revoir. Au revoir, monsieur Holmes. Des vieux clous. Oh, ils pourraient m'être utiles. Ce chiffon usé peut me servir de masque. Ah, il me faut humidifier mon masque de fortune. L'échelle de Finlay est en miettes.
mais toutes les parties semblent présentes. Ce doit être un morceau de l'échelle. Ce doit être un morceau de l'échelle. Ce doit être un morceau de l'échelle. Cette fenêtre semble être la seule issue possible. Voilà, ce chiffon mouillé peut faire office de masque. Cette fenêtre semble être la seule issue possible. Cette fenêtre semble être la seule issue possible. Cette fenêtre semble être la seule issue possible. Comment avance votre enquête, Monsieur Holmes ? Merci, et au revoir. Au revoir, Monsieur Holmes. Fermé. Cette fenêtre semble être la seule issue possible. Fermé. Cette fenêtre semble être la seule issue possible. Une partie d'aspersseur de parfum. Ce tuyau en plomb peut me servir pour réparer le gaz. Un marteau cassé.
Il faudrait trouver un manche. Comment avance votre enquête, monsieur Holmes? Merci, et au revoir. Au revoir, monsieur Holmes. Ce tuyau en plomb peut me servir pour réparer le gaz. Ce tuyau en plomb peut me servir pour réparer le gaz. Une partie d'asperceur de parfum. Ce doit être un morceau de l'échelle. Un lot de vaisselle en fer rouillé. Cette fenêtre semble être la seule issue possible. J'espère que cette échelle supportera mon poids. Allons-y. Mon masque de chiffon ne m'aidera pas beaucoup, mais je pourrai au moins inspecter cette pièce pendant quelques instants. Un petit chalumeau, utile pour ouvrir les coffres-forts, enfin, je présume. Mais la cartouche de gaz est vide. La fuite a dû être soudaine. Même les animaux n'ont pas eu le temps de s'échapper. Quelqu'un est parti d'ici précipitamment, sans doute à cause de la fuite de gaz. La fuite a dû être soudaine. Même les animaux n'ont pas eu le temps de s'échapper. Cette barre de fer va m'aider. La fuite a dû être soudaine. Même les animaux n'ont pas eu le temps de s'échapper. Oh, j'ai besoin de quelque chose. C'est de cet endroit que provient la fuite. La sacoche doit être derrière ces tuyaux. Eh ben, voilà pourquoi ce bandit voulait voir quelqu'un qui s'y connaît en gaz. Il a dû la cacher là en toute hâte et arracher des tuyaux dans l'opération. Cette sacoche a l'air bien coincée. Ah, je ne pense pas pouvoir la récupérer sans risquer de m'évanouir définitivement. Il me faudrait un masque plus efficace, comme ceux de certains tanneurs, par exemple.
Puis-je vous aider, monsieur? Vous travaillez le cuir et peut-être le tannez-vous vous-même. Je crois savoir que les artisans tanneurs portent des masques particuliers qui les protègent des émanations toxiques venant des cuves où trempe le cuir. Je dois réparer une fuite de gaz et je n'y survivrai pas si je n'ai rien d'efficace pour me protéger. Allez voir mon cousin Abraham, qui tient une animalerie plus loin dans la rue. Allez le voir de la part d'Isaac. C'est moi. Je vous quitte maintenant. Mes amitiés au docteur Watson. Ce magasin est une animalerie. Ce magasin est une animalerie. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous devez être Abraham Solomonovitch. Je viens de la part de votre cousin, Isaac. Il m'a dit que vous pourriez m'aider. J'aurais besoin d'un masque efficace pour me protéger contre des émanations de gaz de ville, afin de réparer une fuite. Oui, ça devrait vous aider, mais je l'ai fait tomber dans la grande cage aux serpents. Et ce sont des bêtes très dangereuses. Je ne sais pas comment le récupérer. Mais vous devez être équipé pour manipuler ces animaux sans danger, non? Bien sûr, mais j'ai cassé mon crochet. Il doit être par là. Si vous parveniez à sortir ce bestiau de sa cage, vous me rendriez un grand service. J'ai le crochet cassé. Je peux le réparer, mais il me faudrait du matériel. Peut-être trouverai-je chez Isaac du matériel pour m'aider. Peut-être trouverai-je chez Isaac du matériel pour m'aider. J'aurais besoin de quelques objets pour votre cousin Abraham. Puis-je vous les emprunter? Bien sûr, je vous en prie. Ah, ça peut m'être utile. Ceci fera l'affaire. Ceci fera l'affaire. Cette cage conviendra peut-être pour enfermer le serpent. Cette cage conviendra peut-être pour enfermer le serpent. Oh, j'ai besoin de quelque chose.
J'ai besoin de quelque chose. Cette cage fera l'affaire. Son grillage est assez petit. Et voilà. Magnifique. Vous avez sorti le serpent de sa cage ?